Hey, salut toi! C'est Papa Papa de Bien! Oui, j'espère que tu passes une belle semaine, hein, que tu as profité euh, de la fête des Québécois à Saint-Jean qu'on vient de passer. J'espère que tu hein, as profité vraiment de cette occasion-là pour euh, dire aux personnes euh, que tu les aimes, puis euh, d'en profiter, puis de, de, de vraiment fêter ça autour d'un bon repas, d'une bonne bière. Écoute, puis en plus, c'est pas fini, là, parce que l'été commence, <laughs> puis là, il y a déjà un nouveau party qui est cette semaine, là, la fête du Canada. Bon, la fête du Canada. <laughs> en passant, là, pour la Fête du Canada, il n'y a pas d'épiciers qui vont être fermés. Hein? Ça, c'est juste pour la Saint-Jean que les épiciers ferment. Pour la Fête du Canada, tous les épiciers vont être ouverts lundi. Donc, ça, c'est super. Donc, j'ai identifié pour toi, pour euh, cette semaine, du 27 juin au 3 juillet, euh, les meilleurs rabais dans les épiciers qu'on aime tous là, IGA, Maxi, Metro, Provigo et Super C. Euh, donc, commençons tout de suite avec IGA. Cette semaine, chez IGA, écoute, il y a le bœuf haché mi -meg. Cette semaine, le bœuf haché, c'est pas mal la grande vedette euh, partout euh, dans les épiciers, mais en commençant par chez IGA. Donc, le mi à 2,69 la ou si tu préfères, 5,93 le kilo. Donc, c'est très bien, là, euh, surtout s'il n'est pas trop mi <laughs> ok. Donc, on vérifie ça. On, la, on le voit à l'œil tout de suite, souvent, là, à quel point qu il, il est gros, il ne l'est pas. Hein? Bon. Mais quand même, à ce prix-là. Tu dois se faire avoir. Euh, aussi, il euh, y a les darnes de saumon. Ça, c'est un produit qui est un petit peu plus rare. Il y a eu, il quelques semaines, la d'arne de saumon. Je t'en ai parlé. est encore en spécial au même prix, à 6,99 la livre. Ou si tu préfères, 15,41 le kilo euh, pour du vrai saumon. Là. Donc, ce qui est le fun avec ce saumon-là, c'est qu'il est très goûteux. Parce qu'il y a toutes les arêtes, déjà, encore. Euh, puis, tu as aussi le, 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 le sature, finalement, le milieu. Tu sais, la, la moelle est là. Donc, quand tu le fais cuire, c'est plus goûteux. Euh, Puis c'est super parce que là, tu le défends en par la suite. Puis tu fais ça, tu mets ça dans des vols au vent ou tu peux faire un poté au saumon. Euh, écoute, il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué qu'un beau filet de saumon. Tu te prêtes, pas d'arrête, pas rien. Mais c'est un autre goût. Tu as dit, là, c'est le même saumon, mais la maillette qui est coupée. Puis quand on le fait cuire, ben, ça y donne un autre goût différent. Puis si à essayé, tu vas voir que c'est bon. Puis à ce prix-là, ben. Ça vaut la peine de l'essayer. Donc, la dame de ce monde chez GA aussi écoute ça, là, ça fait. J'ai ça c'est bon, là. C'est ah, La cuisse de canard confite. Hey! Ça, c'est un produit du Québec en plus de ça. 500 grammes. Okay? En fait, tu as deux cuisses là-dedans. Confit, là, sous vide. est hey, super facile à faire. T'as rien qu'à suivre ce qui est écrit sur la boîte. C'est délicieux, tu fais ça avec une petite salade, là, euh, mélangée ou ouais, avec la roquette un petit peu, tout, oh, écoute, avec un petit croustillant, une petite noix là-dedans, là, dans ta salade fraîche, là, avec ce morceau. Tu t'en prends juste un pour les deux. Donc, on a chacun une cuisse avec une petite salade. Puis écoute, ça te fait un souper fantastique. Puis il est vraiment pas cher là, à 9$99, donc 10$ pour deux belles cuisses au lieu de 17$. Donc, il y a un pièces d'économie à faire là. Vraiment, euh, goûte à ça, parce que si tu goûtes à ça, là, ça va être, tu vas être, tu vas après ça, tu vas vouloir vraiment vérifier les spéciaux pour voir quand est-ce qu'il est à 10 pièces comme là. Nous autres, on, on sait qu'il est à 10 pièces, on va en acheter, c'est certain. Puis ça se garde longtemps, là. Donc. Regarde ça. Aussi, chez Gia, il y a les côtes levées Saint-Hubert. Les côtes levées Saint-Hubert, hein, c'est sûr que chaque semaine, là, pendant l'été, il y a toujours une marque là, qui va ressortir. Cette semaine, c'est la Saint-Hubert à 7,50 la barquette de 600, 625 grammes. Donc, 625 grammes, euh, pour une personne, c'est bien en masse. Hein, même qu'on peut se le partager à deux avec d'autres choses comme une salade ou des frites, quelque chose d'un accompagnement. Là. Euh, sinon, ben, tu peux en acheter deux. Les hein? autres, ils vont utiliser deux pour 15$. Donc, euh, tu peux facilement, on peut être les quatre à manger avec deux, puis des accompagnements. Puis, ça devient pas trop cher. Parce que ça coûte assez cher, les côtes, il faut ça le dire. Hein? <laughs> puis, c'est compliqué. c'est pas compliqué, mais c'est long à faire. Donc, quand ils sont toutes faites, facile. Ça peut être un bon dépanneur, malgré qu'elle fait attention parce qu'il y a beaucoup de sodium là-dedans. Là. On mange ça par parcimonie. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. Hein? Ça, c'est certain. Euh, mais quand même, ça vaut la peine de se payer la traite une fois de temps en temps. Euh, aussi, écoute, chez IGA cette semaine, là, ça, j'en parle pas souvent, mais il y a de la bière. Bon, la bière, l'été, c'est toujours agréable de l'avoir quand on a de la visite. Là. Là, tu peux acheter deux caisses de 24$. Okay, normalement, une caisse de 24$, là, mettons, je parle la course ou la... Moi, c'est red que j'aime bien. Elle est 33$ là, au prix régulier. Là, elle est 31$, donc 30,99$, 31$. Si tu en achètes deux fait que ça fait 62$ il te donne une carte cadeau de 15$. Mais là, je te dis, moi, la dernière fois, je t'avais mes deux caisses, elle passe ça, ou elle ne me donne pas ma carte. je dis Oh, oh, hey, ma carte Ah oh, oui, c'est vrai, elle m'a donné ma carte. Donc, euh, c'est 15$. 62 moins 15$, on est rendu à combien? 52, 47. Donc, 47$ pour deux 15 de 24$. Ça vient à moins, moins d'une pièce la bière. C'est vraiment un très bon spécial. Là. Regarde, il y a une liste là, de, des bières. Euh, il y en a aussi à 35,99$ qui en vaut déjà plus cher. Donc, il y a déjà un rabais. Puis, si en achètes deux, il donne 15$. Donc, c'est vraiment le temps d'en profiter euh, pour te griller de bière là, pour cet été. Donc, ça, c'est chez IGO. C'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Euh, Maxi, continuons tout ça avec Maxi, Maxi. Ben écoute, le bœuf haché, mec. Comme je t'ai dit, euh, le bœuf haché, c'est la grande vedette, mais c'est là qu'il l'a le moins cher cette semaine parce qu'en fait, c'est du bœuf haché Meg. Il n'est pas Mi Meg celui-là. C'est le seul que, cette semaine qui offre le bœuf haché Meg à 2,98 l'allée ou si tu préfères 6,57 le kilo. Donc, euh, si tu regardes par exemple chez IGA, le Mi Meg à 5,93. Ben, là, lui, 6,57 le kilo. Je vais mieux payer 60 cents de plus pour avoir du MEG. Hein? C'est sûr. C'est sûr que je, je vais prendre du, du mi MEG à ce prix-là. Si je vais acheter du MEG à 11 piastres le kilo, c'est sûr. Mais s'il y a juste moins d'un dollar, là, euh, tu vas toujours pour celui qui est euh, MEG, extra MEG, <laughs> c'est certain. Okay? Euh, donc, c'est là qui est bien. Euh, chez Maxi, le bœuf à chez MEG, cette semaine, si tu fais des bons c'est là que ça se passe aussi, écoute, cette semaine, les cerises, les cerises là, c'est un fruit qui tombe pas en spécial souvent, hein, parce que ça, c'est une par saison, parce que c'est pas achetable ça des cerises, moi, moi j'oublie jamais ça, parce j'ai pas les moyens d'acheter ça des cerises, mais là, à 1,88 la livre, ou si préfères 4,14 de kilo, ben écoute, c'est le temps de se payer des cerises là, pour goûter à ça, c'est tellement bon, les cerises, on sont rarement pas bonnes, en plus. Puis quand ils sortent comme ça, sont à leur top. Donc, c'est leur top moins cher. C'est le temps d'en profiter, c'est si à les c'est super. Fais attention à donner ça aux enfants. Hein. Faut enlever les noyaux parce qu'ils peuvent s'étouffer solides avec ça. Donc, fais attention, mais quand même, à je parce que c'est un très bon fruit rouge. Euh, aussi, chez Maxi, euh, un si... il y a du sirop. Le sirop d'érable, moi j'aime ça du sirop. Je veux toujours en avoir du sirop d'érable parce que j'en mets dans mes petites marinades. Euh, je peux en mettre dans mes... dans mes huiles pour faire des salades. On dit du sirop d'érable, c'est un sucre de luxe. Puis nous, on est des producteurs, fait qu'on l'a vraiment pas cher. Puis cette semaine, il est encore moins cher que pas cher. Il est à 4,88 pour le 540 ml. C'est une belle grosse canne, là. fait que regarde ça. Si en as, en as. Sinon, gréille un petit peu. Ça vaut la peine d'en avoir au moins un, deux cannes à la maison tout le temps. OK? Donc ça, c'est ça qui est ça chez Maxi. On va voir, il y a d'autres choses sur le site de Mais c'est pas mal les meilleurs rabais que je te donne. Continuons tout de suite avec Métro chez Métro cette semaine. Écoute, il y a beaucoup de beaux spéciales chez Métro, mais entre autres, le gros poulet entier, tu écoute, là, le super beau poulet entier à écoute 1,59 la livre. C'est pas cher, là. Hein? Moi, souvent, je te donne à 3,95 le kilo. Là, il est à 3,51 le kilo au lieu de 3,95, 3,90. Puis ça, c'était un bon prix à ces prix-là. Là, à 3,51, on tombe dans des vrais bons prix. Puis en plus, il est plus gros, donc ça veut dire que... Il y a beaucoup plus de chair, donc tu n'as en encore plus pour ton argent. Il disent qu'il parlent de 6 à 8 portions par poulet. Donc, euh, <laughs> ça va être des, quasiment des dindons, j'imagine. Euh, donc, moi, je suis content de voir ça. Je, je n'en pas 4. Si on en a acheté 2, parce que tant qu'ouvrir le four, on en fait deux, puis là, on a du poulet pour les fous, puis fins. Puis quand ils sont gros, de même, les poulets, là, sont plus juteux. Quand tu sont fais bien cuire, là, ils viennent moins secs, puis ils viennent plus juteux, là. C'est vraiment, là, c'est de top. Donc, c'est vraiment le meilleur deal pour le poulet cette semaine. C'est chez Metro, le gros poulet entier. Puis en plus, en prime, ils te donnent une sauce gratuite, là, si tu achètes un poulet. Donc, c'est sûr, c'est la sauce sélection, mais peux goûter, même que la donne. Il faut juste que tu ailles la chercher. Puis quand tu vas passer à la caisse, ton poulet, tu vas passer. Le 75 cents il va, il va apparaître, puisque ça coûte 75 cents la, la, la sauce euh, sélection. Il va passer gratuit. Il faut juste regarder dans ton coupon pour t'assurer que tu l'as eu gratuit. OK? Donc, euh, c'est ça pour le poulet chez Métro. Continuons avec Metro tout le temps. Le beefsteak, un beau beefsteak d'aloyau de veau de grain. Ça, là c'est bon. C'est avec l'os, c'est coûteux. Puis il n'est pas cher, là. il est 16,99 la livre ou 15,41 de kilo. Quand ils le font en spécial, un bon spécial, c'est pas mal la 15 pièces de kilo qu'ils le font. Là. Donc euh, il est à ce prix-là, super, pour moi dire. Euh, aussi, le beefsteak de français, le beefsteak français, la coupe française plutôt, euh, ça il est à 3,99 la livre ou 8,80 le kilo. Donc c'est un bon dépanneur, c'est un bon steak, ça vaut le double. Donc n'hésite euh, pas, euh, c'est vraiment très économique comme protéine euh, de viande, de bœuf. Okay? Donc, c'est vraiment super. Puis, écoute, chez Métro, cette semaine, il y a aussi le fromage Parmigiano-Reggiano. Hey, hey, c'est bon ce fromage-là. -là, c'est débile. Moi, j'en ai, ai acheté la dernière fois. Il était à quoi, 18$ le kilo. Là, il est à 25$ le kilo, 24,90$ le kilo. Okay? Mais ça vaut 40$ le kilo. 35, 40 pièces de kilo. Donc, même des places à 44, 45 pièces kilo. Donc, à 25 pièces le kilo, ça a vraiment du bon sens. C'est sûr qu'à 18 pièces, la dernière fois, il était exceptionnel. Là. Surtout que ça se garde tellement longtemps. Tu peux mettre ça dans ton frigo pendant un mois de temps sans aucun problème. Parce que c'est un fromage qui est dur, dur, dur. Euh, fait que ça prend quelque chose pour le râper. Mais le coup, c'est râper, c'est tellement bon. Tu peux mettre ça sur n'importe quoi. Des asperges, sur tes pâtes, c'est sûr. Tout ce qui est pâte, tu peux mettre ça. Mais tu peux en mettre bien plus que tu penses. Un peu partout, je te dis. Là. Ça rehausse n'importe quoi. Donc, fromage parmigiano reggiano à 25$ le kilo, 24,90$ le kilo, c'est chez Métro. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, Provigo, là, j écoute, ça fait depuis le mois de novembre 2018 que j'ai commencé ma liste, là. C'est la première semaine que je regarde un circulaire, puis je ne trouve aucun vrai rabais. Aucun. Il n'y en a pas. C'est simple. J'ai... Je te note dans le fond qu'il y a eu quoi? il y a des frais. Bon, les frais, me ben, sont toutes ce prix-là cette semaine. Les frais du Québec, c'est pas un point gros spécial là. À 2,99 1 litre. Hein? On, souvent, on achète deux, deux paquets de, 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 de livres. C'est sûr, ça vient des États-Unis, mais sont, sont quand même bonnes. Puis, euh, tu sais, ils coûte deux piastres le paquet. Là, il faut payer trois piastres parce que ça vient du Québec. Bon, on est prêt à encourager, hein, ça vient du Québec. Ils sont encore meilleurs, c'est ça qu'on se dit. Euh, puis, ils sont tellement plus chers. Normalement, avec trois piastres, ça devient quand même un deal pour avoir ces, ce genre de produit-là local. mais... C'est tout. Il euh, n'y a rien d'autre cette semaine chez Provigo. Je j'ai jamais vu ça. Il n'y a rien à dire de Provigo cette semaine. Bien déçu. Là, je ne sais pas ce qui arrive. On va attendre la semaine prochaine. J'ai regardé deux fois. Je n'étais pas sûr. Je dis qu'il doit manquer des pages. Ben, non. En tout cas, il moi qui manque des pages. Là, à ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu de vrai rabais. Là, pantoute, à te donner. Fait que... Désolé pour Provigo, euh, puis désolé pour nous. C'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Euh, continuons tout de suite avec, finalement, avec Super. C'est super, c'est lui. Il y a des bons rabais cette semaine. J'en ai donné quelques-uns, mais il y en a encore plus que ça, honnêtement. Euh, premièrement, quoi, les crevettes. Les crevettes blanches, 2 livres, hein, 908 grammes, 2 livres de belles crevettes blanches à 13,99 au lieu de 18,99, donc au lieu de 14 au lieu de 19. Donc, tu as 5 piastres d'économie à faire tout de suite là. Puis, c'est des belles grosseurs, là, 26, 30. 30, ça veut dire qu'ils euh, seront pas mal tout uniformes. C'est la grosse grosseur. Plus que le chiffre est petit, plus que la crevette est grosse. Hein? Donc, euh, c'est sûr, quand tu as des 20-25 ou des 21-25, ça c'est encore plus gros. Puis en bas de 20, là c'est des, des géantes. Mais 26-30, c'est une belle grosseur pour des crevettes. Ça fait, c'est vraiment, on peut faire des cocktails avec ça, on peut se faire des petites crevettes papillons avec ça, on peut faire plein de choses, donc euh, ça vaut la peine. Donc, c'est super, c'est les crevettes blanches de lit à 13,99 aussi. Continuons, écoute, celle-là, c'est super, ça, 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 c'est vraiment là, fantastique, c'est le meilleur dj que j'ai eu cette année, une tête de filet mignon. donc. C'est la tête de filet mignon. Tu n'as pas toute la queue. là euh, C'est sûr qu'il ne sera pas paré à ce prix-là. Là. Il va y avoir de la perte là, un peu. Là. Mais quand même, c'est là que le moins de perte. C'est le rôti. Puis en plus, ce qui est le fun, leur, leur outil, là, la outil, la tête du filet mignon, c'est il est plus gros normalement. fait que Tu peux te faire des beaux steaks avec ça. Tu peux le faire en rôti. Tu peux te faire des beaux steaks. Tu peux te faire des cubes. Tu peux faire tout tu peux faire. Mais tu es plus versatile parce que là, il est, il est gros. Quand tu arrives avec la cube, tu pas le choix. Ça va être des cubes, ça. Tandis que là, hey, tu as juste la, panne, la meilleure partie du filet C'est du filet la meilleure partie. Puis, et ben, ça dure juste deux jours, jeudi vendredi. Là, euh, avec là-dessus parce que il euh, y en a, tu sais comment c'est -ce que c'est, hein? euh, ils font un spécial, d'arriver là, ne plus. Puis, ils font pas de bons différés. Mais, en tout cas, demande-les s'ils en font. <laughs> Puis, euh, si tu es sûr, ben, vas-y, jeudi, j'ai usé à première heure parce qu'il est 9h44 la livre. Ou si tu préfères pièces et 81$ le kilo, un kilo de filet pour 20$, là. <laughs> C'est pas cher. Donc, ça, c'est chez Super C. Continuons tout de suite le bœuf haché. Hein, je te dis, il y en a partout. Bœuf haché, mi meg lui ici, à 2,77 la Vous ou si tu peux faire 6,11 le kilo. Mais chez Geo, il est encore moins cher le mi meg hein? euh, Mais quand même, c'est un très bon prix, là, 6 et 11 le kilo pour du bœuf haché mi -meg. Ça. Euh, aussi, bon, le filet de porc. Le filet de porc, on aime tout ça, le filet de porc. Euh, c'est pas du Québec, celui-là, quand même, mais bon, euh, il est surgelé en plus. Mais à ce prix-là, 1,99 la livre ou 4,39 le kilo. Euh, on n'est pas accepté de plusieurs affaires <laughs> à ce prix-là, mais surtout, c'est une très bonne viande. C'est un filet de ce de porc-là. C'est sûr que c'est très c'est très tendre, c'est facile à faire cuire. Pis... Plein de recettes qu'on peut faire avec ça. Donc, je te le conseille fortement. Et pour finir, c'est sur le bacon, la fleur. Écoute, je ne sais pas, il y a des spéciaux dans certains sites. Chaque semaine, il y a quelque part un épicier qui nous sort le bacon, la fleur, 500 grammes, la grosse affaire, à 2,99€. Hein? D'accord. Tu pas. Tu peux te mettre en tout de ton filet de porc ou tu te mets en autour de ton filet de, de, de bœuf. Ou... Ah, écoute, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. Puis, des petits déjeuners, bien sûr, des clubs sandwich, et du bacon manger ça de même, mais c'est pas recommandé. <laughs> c'est tellement bon. Écoute, c'est ça qui est ça cette semaine pour la liste d'épiceries de Papa Popote. Pour te faire sauver énormément d'argent. C'était ma vidéo. Hein. Partage ça pour que tout le monde puisse en profiter au maximum. Surtout, fais-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Tu sais, je réponds à tous les commentaires. Puis bien ça, je te souhaite une belle journée. Une bonne semaine. Surtout, je t'envoie un beau bisou de papa, papa tiens. Mouah! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa, Bye.